Est-ce que Neymar, c'est le plus gros flop de l'histoire de tous les transferts? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Neymar, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous on parle de foot. Ici, nous on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur ce fond de partie. Alors, les gars, est-ce que vous pensez que Neymar, c'est le plus gros flop de l'histoire du football? Moi, je pense que non. Certes, Neymar est arrivé au PSG pour 200 22 millions d'euros, mais je trouve quand même qu'il a quand même fait quelques bonnes choses. Certes, il est souvent blessé, un match sur deux de manière générale, mais je trouve que par rapport à Eden Hazard, pour moi, Eden Hazard, c'est un flop total. Eden Hazard a coûté plus de 100 millions d'euros et il n'a quasiment jamais joué avec le Real. Toujours blessé, toujours en surpoids, toujours blessé, il n'est pas performant, etc. Donc moi, je pense que les gars, je pense que Neymar n'est pas le plus gros flop. Certes, Neymar, c'est un flop au PSG, mais ce n'est pas le plus gros flop dans l'histoire du foot en termes de transfert. Ce n'est pas le plus gros flop selon moi. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Neymar, c'est le plus gros flop? Ou alors tu penses tout simplement que c'est des Nazas? Ou alors tu penses, ou tu as un troisième choix? Si tu as un troisième choix, mets ton troisième choix en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, tu le sais bien. Ici, non, pas de foot. Si la thématique te parle, tu n'hésites pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao!